Hello les joueurs sur le trail, aujourd'hui on se retrouve pour le 13ème épisode de mon playthrough sur Dishonored, et sans plus attendre, continuons. Dans le dernier épisode, nous avions assassiné Dode, et je pense que maintenant on va essayer de se diriger vers les petites putes qui nous ont envoyé par là, pour les tuer tout simplement. Allez, c'est parti. Passer par les égouts pour aller au pub. Je sais pas c'est quoi le pub. C'est peut-être comment dire, le Hound's Pit, ce qui serait logique du coup. Bon, on verra bien. On va juste prendre quelques petites babarres. Enfin une charme d'os, c'est vrai que c'est pas pareil du tout. Du coup on va passer par là. On a une à 40 mètres. D'accord. C'est dans les égouts. Eh bien allons-y. Bien, donc ça laisse refermer sur ma gueule, j'ai bien fait de partir. On a la rune qui est pas loin, on a les charmes qui sont encore moins loin. On va quand même avancer de façon sécure, hein, on sait jamais. Je mets trop safe par là. Là, on a quelque chose d'intéressant. Une petite charme. Alors... on va remonter par contre. Est-ce que j'en ai? Ah, j'en ai des pas loin. On est d'accord. Il doit y avoir un passage quelque part. Histoire de les trouver quand même. Ce serait un peu con de les laisser. D'après? Oh, allez. Beaucoup d'infectés par contre, ça c'est un peu c'est un peu relou. Je me suis fait bolosser. Mais lui aussi il se fait bolosser, donc c'est plutôt bueno. Ok, donc on a alors déjà ça qui est là-bas et ça qui est par là, mais est-ce qu'on a vraiment rien pour rentrer quoi? Ça, c'était plutôt bien visé et bien timé. Donc on apprécie, hein, pour une fois.
s'est fait repérer parce que j'ai éteint la putain de lampe. Mais quelle saloperie. Oh la salope. Ok. On les a à peine bourrés de plomb. C'est des putains de casse-couilles, y'en a de partout. Chez quoi je... Allons-y... C'est par là? C'est aucun putain de sens. Bref. Ah, je suis bête. C'est par là. Oh putain! Ok, alors on va faire comme tout à l'heure. Bien timer la grenade. On se prend un peu de vie. C'est dernière, hein. Ok. Ça va, c'est des putes, mais pas jusqu'au bout, quoi. Oh nice! Oh nice! Oh les salopes, il y en a encore en fait. Il y en a partout! Oh là là! Voilà, j'ai plein de carreaux, donc autant les utiliser. Et on passe par où en fait? J'ai pas bien vu. Ah ok, par là-bas. Oh putain, et quel galérien. Mais quel galère. Wait, what? Ah, d'accord. Ça a plus de sens. Bon à prendre. Oh, il y a des petits carreaux d'arbalète, ça c'est plutôt sympathique. Ça, on pourra tuer plus de plantes avec nos carreaux. Et voilà la sortie. Wouh. Qu'est-ce qui se passe par là? S'il vous plaît, non. Oh, c'est vous, Corvo. Loué soient les étoiles. Nous pensions tous qu'il vous avait tué. À part Samuel. Il était sûr que vous aviez survécu. Je l'ai vu sur le fleuve un peu avant la tuerie. Il a été assez malin pour ne pas accoster, mais je parie qu'il est encore là-bas. À vous chercher, je dirais. Avlok nous a appelés dans la cour, mais je me sentais pas bien. Je suis restée au grenier pour regarder. L'amiral a sorti son coutelas et l'a planté dans l'œil de Wallace. Puis il s'est occupé de Lydia. Callista, il lui a tiré dans le dos au pistolet. Emily a tout vu. Avlok criait qu'il n'avait pas l'intention d'être puni pour ses actes. Quelque chose comme ça. Pendleton nous a regardé personne dans les yeux. Ils ont dit que c'était le moment pour Sokolov et sont allés à sa cage. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Les salopes. Pauvre enfant. J'espère qu'elle s'est cachée les yeux. L'amiral a dit que Martin avait raison. Ils avaient dû en discuter. Et conclure qu'il risquait d'être exécuté, pour s'en être pris au Lord Régent et à ses alliés. C'est sans doute pour ça qu'ils vous ont empoisonné aussi. Je croyais que Lydia finirait par me balancer. Elle a juste dit à Avlok d'aller se faire foutre. Et elle est morte. Mais ces salopes! Mais je vais les tuer, ces petits enculés! Du coup, on va regarder avec l'eau. Oh. On a des trucs, effectivement.
Mais dès que j'en vois un, mais je lui tranche la gorge. Mais vous imaginez même pas. Ces petits connards. Hop là, les petites clés-clés. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Michel? Ou oh, putain, on va pas aller par là. Lydia est la seule à avoir été gentille avec moi. Ouais, alors, Micheline, t'es gentille, mais... Ah non, en fait, c'était vraiment par là. Empoisonné, jeté dans le fleuve. Si tu veux mon avis, il est parti depuis longtemps. Le Pascal va aller. C'est ce qu'une personne normale ferait, mais Pascal. Il faut comprendre son esprit criminel. Il paraît qu'il cachait la fille Caldwin pour pas qu'il la trouve. Tout le temps qu'ils ont travaillé avec lui. Il l'aurait enfermé dans une cage pour le laisser sortir que la nuit. Un esprit criminel. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il attend. Peut-être qu'il nous observe en ce moment. Avec son masque de cinglé, il s'approche petit à petit, de plus en plus, jusqu'à ce que... La ferme. T'as quoi dit, Gordo? Il a affronté qui? Un ou deux grands superviseurs, un ou deux nobles? Il résisterait pas à des hommes entraînés comme nous. Ah, tu vois là, j'ai vraiment envie qu'il se pointe. Je veux devoir courir à l'abri en pleurant pour que les Tall Boys te protègent. Comme toi, l'autre soir. Tu voulais que je fasse quoi? Rester me prendre des cailloux? C'était un gant. J'espère que le Lord Régent Havelock va envoyer les Tall Boys pour faire le ménage. Ce serait une nouvelle ère. C'est pas en mettant une gamine de 10 ans sur le trône qu'on va guérir la peste. D'après le grand superviseur Martin, si. Il dit qu'on a été maudit quand la magie noire de Corvo a tué l'impératrice. Que les rats resteront là tant qu'un vrai Caldwin ne régnera pas. Il dit que l'outsider ne lâche pas Corvo d'une semelle. Cette ville est maudite, ça c'est sûr. J'ai encore d'oublier mon travail dans le quartier inondé. M'en parle pas. Avant de partir, je vais choper quelques bouteilles de vin dans la cave. Pour qu'on les emporte avec nous. Assure-toi d'abord que Corvo est pas caché là-dedans. T'as peut-être raison sur ce type. Que quelqu'un vienne ici. Quoi, mais tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Mais vous venez d'où? Mais vous venez d'où? Mais lol! Mais c'est une putain de blague! Mais lol! Urbaine vous annonce la mort du Lord Régent Hiram Burroughs. Puis son esprit s'effacer, plus jamais souffrir. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. Tuez-le s'il le faut. Vous pouvez donner votre cœur au chien. Il me faut plus d'hommes. Putain, il y a une lettre. Corvo, tu te rappelles quand je t'ai parlé d'un dessin que j'étais en train de faire pour toi? Eh bien le voilà. Je ne sais pas où tu es, mais j'espère que quand tu reviendras, tu le trouveras et qu'il te plaira. J'aimerais qu'on l'emmène à Dunwall Tower avec nous. Tout le monde se comporte bizarrement ce soir. Samuel parlait discrètement à Calista au sujet d'un lance-fusée qu'elle était censée utiliser pour lui faire signe. Il lui a dit de verrouiller la porte de ma vieille tour. J'ai entendu l'amiral dire aux autres qu'on doit partir ce soir pour aller dans un endroit qu'on appelle le phare, sur l'île de Kingsparrow. J'espère que tu seras de retour avant notre départ, Emily. Quand je vous aurai trouvé, ça va mal aller. Ok, là c'est le bulldog de je vais tous vous défoncer. Donc Havelock est à 16 mètres en plus. Et écoute Michel, on va aller se faire. Attention! On va juste se faire le tall boy. J'entends, il est à ma gauche. Il est là.
pis, je repars. À moi, la gare. Encerclons-le. Oh mon dieu, vous allez saigner. LOL. On va se les faire, vous inquiétez pas. Quelle salope! Ta gueule, toi! Putain! Toujours un pauvre connard qui traîne dans le coin, là. Pour révéler ta position. Mais quel enfant de pute. Bref, on va se faire l'amiral. Ah non, c'est juste une lettre. Capitaine Manning, nous avons suivi la trace des conspirateurs jusqu'au Hound Pits. Fouillez l'endroit et trouvez-moi Pierrot, Joplin et Anton Sokolov, des adeptes de la philosophie naturelle. Faites ce qu'il faut pour sécuriser tout ce que vous trouverez en rapport avec le pylône foudroyant amélioré qu'ils construisent. Interrogez-les, et lorsque vous serez certain qu'ils vous auront dit tout ce qu'ils savent à propos du pylône, exécutez-les tous les deux, apportez-moi ensuite l'objet avec les papiers et les enregistrements correspondants. Ils sont peut-être les deux plus grands esprits de notre époque, mais ce sont également des traîtres qui ont conspiré avec Corvo pour tenter d'abattre cet empire. Je garde l'impératrice Emily Caldwin avec moi au phare de l'île de King Sparrow, jusqu'à ce que l'on soit certain que Corvo et ses acolytes soient hors d'état de nuire. Lord Régent Havelock. Calista ? Elle est en vie ? Comment ça, elle est en vie ? Elle est pas censée être en vie ? Elle avait pas dit l'autre qu'elle était morte ? Alors, et je dois aller en plus là-haut. Ouais. Moi, ça dit une chose. Je peux passer devant le pylône. Et pour ça, on va prendre le pli temporel parce que c'est beaucoup plus safe. Absolument d'accord. Votre expulsion de l'Académie était un crime contre toute la philosophie naturelle. Ce que vous auriez pu signaler à ce moment-là. Mais inutile d'être rancunier. Je voulais vous demander... À propos de l'élixir, oui. Et moi, je veux parler de votre tonique. Pourquoi ne pas avoir essayé la solution homéopathique? Oui, mais sur quel sujet? Je ne... Corvo, content de vous voir encore en vie. La ville ne serait pas la même si vous n'étiez pas avec nous. Je viens de terminer le travail de Pierrot sur un pylône foudroyant. C'était laborieux. Avec cet appareil, nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux, qui rend nos ennemis inconscients, ou bien les réduire en cendres. Je l'ai réglé de façon à ce qu'ils ne s'en prennent pas à nous. Il ne se déclenchera qu'en présence de nos ennemis. Le pylône foudroyant est plus puissant que l'ancien modèle. Il aura une plus grande portée et frappera nos ennemis tout en nous laissant indemnes. Il me faut ma séquence finale qui se trouve sur le plan de cet appareil. Havelock l'a consulté avant le massacre. Rapportez-moi ce plan. Il était dans sa chambre avant son départ. J'espère qu'il y est encore. Vous êtes peut-être à l'aise au combat. Mais ce...
Je vous fabrique ce que vous voulez, du moment que vous avez les bons matériaux. Ok. On va peut-être s'améliorer des trucs. On va laisser les faire, ces petits cons. Emilie s'est cognée la tête dans la confusion. Elle pleurait. Très juste maintenant. Elle criait autrement. Ok. Je vais tous vous tuer. Un par un. J'allais tellement souffrir. Hein? Et maintenant? J'espère que c'est pas une blague. Quelqu'un est à terre. Quelqu'un vient ici. Oh, tirer. Bah, je l'ai fait. Mais. Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça là? Mais c'est chiant. Vous êtes chiant. Vous êtes mignon, mais vous êtes chiant. Oh, ta mère, toi. Allez mourir. Mais j'ai pas compris là, il me demandait l'ancienne chambre, hein. Donc cet endroit, on est d'accord, donc il faut que je retrouve un plan. Ah bah il est là. Bingo, y a pas Calista aussi dans l'endroit? Non, j'ai rêvé. Par contre on peut aller voir Pierrot, si y a Calista. Mais elle est très loin, donc on va aller voir Pierrot. Et on va faire la même chose. Le pylône foudroyant est terminé. Allons l'activer. Avec cet appareil, nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux qui rend nos ennemis inconscients. Ou bien on peut les réduire en cendres. Qu'est-ce que vous en pensez, Corvo ? J'aurais dû me douter que vous voudriez la manière forte. Un petit réglage et nous serons prêts. Nous sommes fin prêts, Corvo. Il ne reste plus qu'à l'activer. À vous l'honneur. Lorsque ce pylône foudroyant sera chargé, personne n'osera s'approcher de nous. Mmh.
tout bonnement incroyable. La destruction à grande échelle. C'est indescriptible. Toutes ces vies anéanties en un instant. Oh yes! Ça, c'est ce qui arrive quand on s'en prend à Corvo à Thanos. Yes! Mais oui! Putain, oui! C'est trop bien. Alors, attendez, on va juste éviter de se suicider. Et voilà! Et bien, ma foi, sur ce, les gens, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter ce petit épisode. Encore une fois, petit cliffhanger, parce qu'on aime bien. Et sur ce, je vous dis... Ciao!